Qu'y a-t-il, Zordon? Vous avez des ennuis? Oui, malheureusement. Je suppose que vous savez tous ce qu'est l'effet de serre. Oui, c'est un réchauffement de l'atmosphère dû à une forte augmentation du gaz carbonique dans l'air. C'est exactement ça. Et c'est provoqué par le chlorofluorocarbone. Certains scientifiques affirment que la disparition des forêts ne fait qu'aggraver le problème. Et bien sûr, tout ça fait des dégâts dans la couche d'ozone. Je vois que vous êtes tous très bien informés. Mais ce n'est pas ce qui provoque cette chaleur en plein hiver. Ou si? On n'en est pas encore sûr, mais ça nous inquiète beaucoup. Depuis 5 jours, la température à Angel Grove est largement au-dessus de la normale saisonnière et bat tous les records. On a peur que Mondo y soit pour quelque chose. As-tu pu repérer des anomalies dans le système d'observation? Pas encore, et j'espère sincèrement me tromper. Néanmoins, je voulais que vous sachiez que dans un futur proche, vous serez peut-être amené à livrer une bataille importante. Soyez sans crainte, nous serons prêts. Écoutez-moi bien, je vais vous donner l'occasion de faire preuve de dévouement. Dites-nous tout, on est prêt et volontaire. Oui, je suis prêt et lui volontaire. Très bien, la société d'horticulture de la police va rendre son verdict cet après-midi. Et vous savez, mes petites merveilles n'ont jamais perdu. C'est facile à comprendre, lieutenant. Puisque je serai en patrouille, je vous confie la lourde tâche de protéger mes fleurs et d'en prendre soin. Vous aurez tous les deux l'entière responsabilité de mon jardin. Je veux que vous le surveilliez, que vous le bichonniez pour que je le retrouve intact. Oui, comptez sur nous. Prenez-en bien soin, parce que je vous avertis, s'il arrive quoi que ce soit à mes fleurs, votre carrière ne vaudra pas même cette poignée d'engrais. Oui, lieutenant. L'influence de Défolion commence à se faire sentir sur le climat d'Angel Grove. Depuis hier, la température a augmenté de 5 degrés. Bientôt, les humains seront comme des cailles tout trop petites. Et comme les boucliers thermiques de la salle des pouvoirs ne résisteront pas, Zordon ne pourra rien faire et on éliminera les rangeurs. Qui est-ce qui est déjà dans les projets qui s'enchaînent bien? Où suis-je bête? C'est moi! Eh oui, Skull, cet endroit ressemble à une forteresse de fleurs et personne n'y entrera ni n'en sortira dans notre avis. C'est très juste, le lieutenant Stone n'aura aucune raison de nous gronder. Bon, alors, fini les vacances? Oh, on n'est pas obligé de partir tout de suite. Zordon nous contactera s'il a besoin de nous. Je crois que Heather aimerait bien que tu restes. Heather, tu peux avoir un autographe? Je culpabiliserais d'être ici à m'amuser avec tout ce qui se passe à Angel Grove. Tommy, alors, j'ai entendu dire que vous alliez partir. Billy et moi, on s'occupe des valises. Ouais, t'inquiète pas. Au revoir. Voilà, on a reçu des nouvelles et on doit partir immédiatement. Non, je suis vraiment désolé pour le dîner, le reste... Ça doit être grave et urgent pour que vous partiez aussi vite. Oh, j'aimerais beaucoup pouvoir t'expliquer, mais je ne peux pas. Crois-moi, c'est très important. Si le devoir t'appelle, c'est comme ça. J'ai été très heureuse de te connaître. On se reverra peut-être un jour. Oui. Au revoir. C'est quelqu'un de chouette. Ah oui, ça c'est sûr. Non, ça me plaît pas d'agir ainsi. Alpha, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Aïe, aïe, aïe! Billy, à ce rythme-là, je vais disjoncter! Je sais que quelque chose provoque cette vague de chaleur, mais dès que je suis sur le point de le repérer, il m'échappe! Continue quand même, Alpha. Il faut trouver le coupable. Y a-t-il un moyen d'augmenter la capacité de l'unité centrale de repérage? Pas sans risque de surcharge! La chaleur extérieure a endommagé nos boucliers thermiques! Ils ont déjà perdu 20% de leur efficacité! Si ça dure, ça sera la catastrophe! On devrait rétrécir la largeur du champ. Je verrai une plus petite zone, mais on pourra l'examiner en détail et faire des arrêts sur image. C'est une idée fabuleuse! Tu es un génie, Billy! Alpha, tu devrais contacter les autres. Oui, tu as raison! Je le fais séance tenante! Ça va l'air tapé. Oh, hola. Oh. Bulk, tu parles espagnol? Oui, un peu. Pourquoi? Parce que je pense que le Mexique pourrait être un bon endroit où se cacher quand le lieutenant Stone verra qu'on a tué ses roses de concours. Ay, caramba! Me llamo Skull. Il y a sûrement un moyen de les rallumer.
Une petite minute. J'ai trouvé la solution. Hé, hey, Billy, tu as trouvé ce qui se passe? Parce qu'ici, la chaleur devient intenable. Ranger, le roi Mondo a créé un monstre défoliant qui détruit systématiquement les plantes et les arbres sur son chemin et crée de ce fait un effet de serre sur Angel Grove. Il faut l'en empêcher. Oui, mais l'ennui, c'est qu'il est tellement grand qu'il couvre une zone qui va au-delà de la forêt d'Angel Grove. Appelons les Ordes à notre secours. Oui, et bonne chance. Merci. Soyez prudents. Transmutation demandée. Zéo Ranger 1, rose. Zéo Ranger 2, jaune. Zéo Ranger 3, bleu. Zéo Ranger 4, vert. Zéo Ranger 5, rouge. Ranger vient de lui à ma récolte hivernale. Oh non, on appelle la puissance. On y va. Ouais, ouais. Très bien. Cristal géoniseur activé. Assemblage du Zéomégazord entamé. Casque de combat en position. Maintenant, on va pouvoir l'empêcher de tout saccager. Je suis sans pitié avec les mauvais cerfs comme vous. Ouh, il est fort. Aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Billy, la table de commande est en feu. Nos boucliers ne résistent pas. Il faut détruire des foliants, sinon tout le centre va brûler très vite. Zéo de casque de combat activé. Zéo 1, casque de combat activé. On lui envoie une tornade. Tommy, à toi de jouer. Ranger, je vais vous abattre. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Même si on te transforme en engrais. On a réussi à lui faire mordre la poussière. Et vous sentez? Il fait déjà plus frais. Oui, tu as raison. Oui, alors on a réussi. Ça me fait plaisir que ce soit terminé. J'aime beaucoup l'été, mais pas au milieu de l'hiver. Je sais, et heureusement que le département des eaux et forêts a replanté des arbres pour contrecarrer l'œuvre de défoliants sur l'environnement. Bonjour. Salut, vous avez vu Tommy? Il est là-bas. Il a envie d'être seul. Il n'arrive pas à accepter la rupture avec Kimberley. J'ai un projet qui pourrait l'aider à reprendre goût à la vie. Ernie, tu fermes tôt aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, en fait, je vais m'enfermer ici pour faire ma comptabilité tout l'après-midi. Ça peut parfaitement réussir. La forêt d'Angel Grove n'est qu'un début. Je suis ici pour détruire jusqu'à la moindre petite plante de la planète. Hé, hey, Tommy, ça vient d'arriver pour toi. Oh non, 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 il n'y a plus de lettre pour moi. Merci. Ah, c'est une bonne nouvelle, crois-moi. Oh. Bon, dans ce cas... Bien. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Tommy, ta présence est souhaitée, fortement recommandée pour le dîner, aujourd'hui chez Ernie. Pour ce dîner, une tenue correcte serait souhaitée. Thank you.
Kat? Oh, Monsieur Oliver, votre table est prête. Je n'y comprends rien. Tu as fait tout ça? Voulez-vous vous asseoir? Merci. Kat, tu es ravissante. Oh, votre invité vient d'arriver. Eva? Surpris de me voir? Oui, un peu. Explique-toi. Kat m'a appelé et m'a dit que tu n'avais pas un moral d'enfer, alors j'ai eu envie de t'accorder encore une petite chance. Ah. Le dîner sera prêt dans un instant. Oui. Merci. Merci. J'espère que Tommy et Issa ont bien profité du dîner. Franchement, c'était très gentil de ta part. Je ne sais pas si c'était plutôt gentil ou plutôt stupide. Où tu veux en venir? Oublie ce que j'ai dit. Oh oh, deux petites rangères! Des foliants! Je croyais qu'on t'avait éliminé pour de bon! Pauvre innocente, on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement! Ah, je n'ai pas raté une si belle occasion de vous réduire en poussière! On va en finir avec lui une fois pour toutes. Transmutation demandée! Zéo Ranger 1, rose! Zéo Ranger 2, jaune! Ah, je tremble comme une feuille! Il faut appeler du secours. Il s'écarte, on a besoin d'aide tout de suite. Mon copain, n'arriveront pas à temps. Je t'ai manqué, Tommy? Oui. Oh, pardon. On va jouer les troubles fêtes. N'en parle pas. Tommy, dépêche-toi. Non, écoute, Iver, je te promets que je le fais pas exprès, mais il faut que je te laisse. Tu fais de l'humour? Non, je regrette, je... Tommy, tu sais le temps qu'il m'a fallu pour venir te voir? Oh, je sais, mais je vais faire vite, d'accord? Je te le promets. On va lui régler son compte. D'accord. Vous pouvez toujours essayer, minable. Tu aurais dû t'enfuir tant que tu le pouvais encore. À l'attaque. À toi, Tommy. Bravo, les filles. Ah, vous êtes résistantes, les filles. Allez jusqu'à quel point? Et maintenant, je vais continuer ma mission. Quand je l'aurai terminée, il ne restera ni une feuille, ni un brin d'air sur cette terre. On ne peut pas le laisser mettre ses menaces à exécution. Nous devons l'éliminer sans attendre. J'ai travaillé sur le Zéo-Rayon pour optimiser les cellules du centre de commande. C'est notre seul espoir. Tommy, tu as entendu? Oui, Billy, et c'est exactement ce qu'il nous faut. Très bien. Adieu, défoliants. Vous êtes tous prêts?
Zéo rayon. Activé. Concentration. Feu. Ouais. On dirait que cette fois, c'est la mode. Mes amis, ensemble, nous allons vivre un très grand moment, et oui. Très joli. Seulement, je regrette, on n'a toujours rien prévu pour la flore artificielle. Mais sachez que l'an prochain, on y pensera. En attendant, vous êtes disqualifiés. Disqualifiés? Mais comment ça, disqualifié? Arrêtez! Bon, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, notre vie va être rose, mais avec des épines. Oui, que veux-tu sans épines? Il n'y a jamais eu de rose. Harry, et tant que vous pouvez, allez-y, profitez-en. Je veux que vous restiez ici jusqu'à ce que j'ai trouvé une punition exemplaire pour chacun de vous. Non, ne bougez pas un seul muscle. Moi, c'est très loin d'ici, le Mexique. T'as bougé un muscle? J'ai bougé un, moi aussi j'en ai bougé un. Je regrette que ça n'ait pas marché, Tommy. J'avais tellement envie que tout soit parfait. Bon, ça n'est pas grave. Ce que tu as fait est incroyable. J'ai de la chance d'avoir une amie telle que toi. J'ai cru que tu surmonterais plus vite cette épreuve si tu avais quelqu'un dans ta vie. Je sais. Bon, ça risque de prendre un peu de temps. Oh, j'adore cette chanson. Qu'est-ce que tu dirais si je t'invitais à danser? Je dirais, promets de ne pas m'écraser les orteils et j'accepte. Promis juré. J'adore quand ça finit bien. C'est épouvantable de bradouiller, de brafouiller. Enfin bon, moi je le dirai après. Alors comment? Merde. Toi, t'es vraiment un super copain. T'es vraiment un super pote, mon pote. Oui. Et rock, oui. Je dois tout faire par moi-même. Coupé. Cette fois, c'est la bonne. C'est à partir.